الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول الله عز وجل في سورة المائدة Dieu dit dans la sourate Al-Maïda, la table servie, au verset numéro 2. وَلَيَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاءَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Ce verset est un hymne, un appel à la tolérance, à la clémence et à l'intelligence. Notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la communauté musulmane de la Mecque ont subi des pressions terribles pendant plus de 13 ans à la Mecque. Les pressions continueront après qu'il ait quitté la Mecque à contre-cœur. Si mon peuple ne m'avait pas forcé à partir, dit-il à sa ville chérie, jamais je m'en irai, jamais je ne quitterai là où je suis né, là où j'ai grandi, là où j'ai vécu, là où j'ai mes attaches. Mais la vie est faite de choses qui ne nous plaisent pas toujours, et nous sommes prêts à faire des sacrifices pour des principes fondamentaux, tels le principe de liberté. Le prophète ne pouvait plus rester à la Mecque parce qu'il n'était plus libre de pratiquer sa religion et de l'expliquer aux autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient à la Mecque en tant que pèlerin avec des musulmans pacifistes. Le pèlerinage chez les Arabes à l'époque se faisait pendant des mois sacrés. Ainsi, l'intention du prophète est claire. Je suis venu célébrer le pèlerinage à la Mecque, ce qui était un droit à l'époque pour tous les Arabes. Malheureusement, l'oligarchie mécoise, les dirigeants, les politiques qui dirigent la Mecque, n'entendaient pas les choses de la même oreille. « Tu ne mettras pas les pieds à la Mecque, lui dirent-ils. » Tu retournes à Médine, toi et tes hommes, parce que nous avons décidé, de manière tout à fait arbitraire, en contradiction totale avec les lois qui régissaient le pèlerinage à l'époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est peiné, attristé, ainsi que ses compagnons. Le pire, c'est qu'ils essaient d'attenter à sa vie. Ces Mécois qui le privent de cette liberté, de ce droit, essaient à nouveau d'attenter à sa vie, lui et ses proches. Et tout cela va se terminer avec un pacte, une trêve, la trêve d'El-Hudaybiya, qui va faire que l'ennemi va baisser sa garde. Si bien que les hostilités vont s'arrêter. Et c'est ce que le prophète recherchait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa politique, sa stratégie, d'ailleurs, qui émane de ses convictions religieuses, est la suivante. Le dialogue, l'échange, l'entente, le vivre ensemble, le partenariat pour l'intérêt général. Le prophète n'a jamais été un homme belliqueux qui a pour projet de combattre, de tuer, d'exterminer. Une fois la trêve signée
Écoutez ce que Dieu dit aux musulmans. Et en fait, quand Dieu parle à cette première communauté, il nous parle à nous, musulmans du 21e siècle, à nous, musulmans d'Occident, à nous, musulmans français. Dieu dit au prophète alayhi salam et à ses compagnons qui viennent de subir une injustice. Et quand quelqu'un subit une injustice, c'est dans la nature de l'homme. Il dégage un certain mépris envers celui qui commet cette injustice. Et effectivement, il faut avoir du mépris envers l'injustice et les injustes. Et combattre l'injustice et ne pas l'accepter, la laisser se répandre. Mais le musulman doit toujours garder la raison. Il ne doit pas être animé par la passion, car il va commettre une injustice. La colère et la haine aveuglent. La raison et la religion doivent toujours nous guider. Alors Dieu dit aux sahaba, aux compagnons et à leur maître sallallahu alayhi wa sallam, qui, et on l'entend, ressentent de l'amertume et pour certains peut-être de la haine. Dieu les rappelle à l'ordre en leur disant que l'aversion, ce mépris que vous avez au fond de vous-même envers ces gens qui vous ont privé de tous vos droits, ne vous aveugle pas, si bien que vous-même vous devenez injuste. Ils vous ont empêché de faire le pèlerinage. Vous avez réagi de manière rationnelle, vous avez fait une trêve. Maintenant, on va s'occuper de vos passions. Cette amertume que vous avez de ne pas avoir fait le pèlerinage, cette haine que sans doute certains ont, le prophète n'avait pas de haine envers quiconque, ne doit pas vous aveugler parce que vous avez été privé de droits fondamentaux, si bien que vous-même vous tombez dans l'exagération et l'injustice. Qu'est-ce que vous devez donc faire? Toujours rester ferme. On garde nos convictions, nos principes, on ne les troque pas. On garde la raison, on ne tombe pas dans la réaction et dans la passion. Et regardez la solution que Dieu propose. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Malgré tout ce qu'ils vous ont fait, vous allez vous allier avec eux. Vous allez vous entendre avec ces gens-là. Sur quoi? Sur un projet commun, qui est la bienfaisance. Vous allez faire le bien. Vous allez vous rapprocher d'eux. Vous allez dialoguer et discuter avec eux pour trouver un terrain d'entente pour pouvoir avancer. Et on avance quand on a un projet. Un projet fondé sur quoi? Sur le vivre ensemble. Wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Et attention, ne tombez pas dans le piège. Lequel? Le piège de la transgression. Vous allez commettre des injustices et vous allez faire le mal si jamais vous tombez dans la passion et dans la réaction. Wattaqullah, et craignez Dieu. Car Dieu, quand il punit, il fait mal. Quelle leçon devons-nous tirer de ce verset du Coran et de ce passage de la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les leçons sont les suivantes. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est exactement ce qu'ont vécu les premiers musulmans. De l'incompréhension de la part de certains, de la crispation, de la peur de la part d'autres, et de la haine infondée de la part d'une minorité, une minorité agissante, qui a pour objectif de semer la zizanie dans la société, entre les musulmans et les non-musulmans. Créer un fossé afin qu'il n'y ait plus d'entente cordiale
Dans toute société, il doit y avoir un pacte social. On s'accepte avec nos différences et nos divergences, on se tolère. On s'entend sur le minimum vital pour vivre, le respect des lois. Je fais aux autres ce que je voudrais bien qu'ils me fassent et je ne leur fais pas ce que je voudrais qu'ils ne me fassent pas. Et ensuite, on se coalise, on s'entraide et on s'unit pour l'intérêt général. Et ensemble, on se serre les coudes contre eux, ce qui remet en question la paix sociale et l'intérêt général. Quelles que soient nos différences et nos divergences, on est même prêt à dialoguer, à s'asseoir avec nos ennemis pour diminuer leur animosité et pour s'entendre avec eux pour éviter la catastrophe. C'est ça que le Coran nous enseigne. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, savait faire la part des choses à la Mecque. La preuve, il nouait des relations avec tout le monde et il dialoguait avec tout le monde. Il dialoguait avec le peuple victime de la propagande islamophobe. Et il dialoguait avec les ennemis du peuple. Combien de fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis avec Abu Sufyan, avec Al-Walid, pour essayer de les rapprocher, de les raisonner. Mais en vain. Abu Sufyan se convertira à l'islam par la suite. Mais sachez que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais marginalisé, s'est jamais renfermé. Il gardait toujours l'espoir parce qu'il était animé par une intention noble. Il voulait le bien aux gens. Idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Tu es capable de gagner le cœur de ton ennemi, bien entendu. Il faut juste savoir quoi ? Savoir dialoguer avec lui et le toucher. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi et il atteint son objectif, puisque la majorité de ceux qui l'avaient combattu et qui l'ont combattu, qu'ils aient été manipulés, qu'ils soient eux-mêmes des manipulateurs, la majorité de ces gens-là sont devenus ses amis, sont devenus ses adeptes, sont devenus ses fidèles, qui vont se sacrifier comme ils voulaient le sacrifier auparavant. Ils vont se sacrifier pour lui, pour sa religion, comme ils voulaient le sacrifier il y a encore quelques années. Tout ça pourquoi ? Parce que le prophète alayhi salam agissait à l'ombre du Coran. Et le Coran nous enseigne quoi ? Il nous enseigne qu'il faut faire le pas. Vers qui ? Vers les autres qui n'ont pas compris. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salam a réussi à se faire des alliés, des amis. Parmi les non-musulmans qui lui seront d'un secours que les musulmans ne pouvaient pas lui apporter. Combien de fois le prophète alayhi salam a été agressé à la Mecque ? N'est-il pas allé à Taïf pour prêcher les gens de Taïf et lorsqu'il est revenu, on l'a empêché, on lui a interdit de rentrer chez lui. Il a été expulsé de sa terre natale. On lui a dit, désormais, tu vas devenir un SDF. On l'a décidé. Et les musulmans de la Mecque, parmi Abu Bakr, parmi Omar ibn al-Khattab, parmi Hamza ibn Abd al-Muttalib, Ali ibn Abi Talib, et la liste est longue, n'avaient pas le pouvoir et la force, vous entendez, de préserver, de protéger leurs messagers. Qui va prendre le prophète alayhi salam par la main et le ramener à la Mecque et le mettre sous sa protection, quitte à y laisser sa vie? C'est Al-Mut'im ibn Adi, un notable de la Mecque, qui avait un cœur et des idées humanistes. Quand il a vu cette injustice, il est allé vers le prophète, il lui a dit, « Ya Muhammad, tu es désormais sous ma protection et celle de ma famille, celle de mon clan. » Et en place publique dans l'ensemble de la Kaaba,
Al-Mut'im annonce aux ennemis de l'islam et du prophète que celui qui touche à Muhammad touche à Al-Mut'im ibn Adi. Est-ce que vous vous rendez compte, Al-Mut'im, avec ses enfants armés jusqu'aux dents, s'engage à protéger l'ennemi de la Mecque et des Mécois, quitte à y laisser sa peau. Et je suis prêt à mourir, moi, Al-Mut'im ibn Adi. Je suis prêt à sacrifier mes enfants pour que Mohammed alayhi salam ait le droit d'exister, le droit de prêcher sa religion. Dites-moi, pourquoi est-ce que Al-Mut'im prend ce risque? Qu'est-ce que le prophète alayhi salam lui a fait? Il l'a ensorcelé? Non, il n'avait pas ce pouvoir. Il l'a manipulé? Al-Mut'im était trop fort et le prophète n'est pas un manipulateur. Non, le prophète alayhi salam a gagné son cœur. Vous entendez? Le prophète alayhi salatu wassalam a réussi à se faire respecter et aimer. Par qui? Par des non-musulmans. Son oncle Abu Talib, vous allez me dire c'est normal, c'est son neveu. Non, c'est pas normal. Abu Lahab, c'est aussi l'oncle du prophète alayhi salam. Abu Talib s'est sacrifié pour que le prophète alayhi salam puisse pratiquer et parler de sa religion. Et le prophète a toujours été quelqu'un de reconnaissant. La preuve, il dira par la suite, après la mort de Al-Mut'im ibn Adi, que si Al-Mut'im ibn Adi était vivant aujourd'hui parmi nous et qu'il me demandait une faveur, libérer 70 prisonniers juste après la bataille de Badr, je lui accorderai cette faveur. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de reconnaissant et il n'oubliait jamais le bien qu'on lui a fait. Et quand quelqu'un lui faisait du bien, il lui rendait le bien, non pas par le bien, mais par 10 biens, 100 biens. Si Al-Mut'im était vivant aujourd'hui et qu'il me demandait de libérer ses ennemis, je les libérerai pour ses beaux yeux. Quelle reconnaissance! Le même Mut'im ibn Adi va prendre la défense de Sa'd ibn Rabi à la Mecque. Vous avez vu, quand on vit dans une société et qu'on sait créer des ponts avec les gens, nouer des relations dans le respect mutuel, on se fait des amis, on se fait des alliés et on se fait des avocats. Et la communauté musulmane de France aujourd'hui a besoin d'amis, d'alliés et d'avocats. Ne vous trompez pas, notre religion, ce n'est pas une religion de la haine et du rejet, mais bien au contraire. Mais bien au contraire. Dieu dit de son prophète, alayhi salatu wassalam, « وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ » Si tu étais quelqu'un de dur, sans cœur, si tu n'avais pas un comportement extraordinaire, ce ne sont pas les musulmans qui t'auraient fui, qui se seraient éloignés de toi, les non-musulmans. Tes propres fidèles, adeptes, t'auraient fui. Ya Muhammad, si tu as réussi à gagner le cœur des gens, c'est pas grâce au matériel, c'est grâce à ce cœur extraordinaire qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plein d'amour, plein de bonté, plein de justice, plein de tolérance, plein de reconnaissance, plein d'honnêteté. Voilà les qualités de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète va réussir son projet qui est de s'allier avec les gens pour faire le bien. Et tel doit être notre projet et notre objectif. Nous allier avec ceux qui ont une conscience, ceux qui ont des principes. Pourquoi? Pour que la France de demain soit meilleure que celle d'aujourd'hui.
de manière impérative, c'est une question de vie ou de mort. Agir avant qu'il ne soit trop tard. Car d'autres agissent dans l'ombre. Que dis-je ? Ils n'agissent plus dans l'ombre. Un masque découvert pour essayer de répandre la haine dans notre société, la zizanie. Combattons les préjugés. Détruisons ces obstacles qui ont été érigés, parfois par nous, musulmans, qui avons des interprétations erronées de notre religion et des comportements déviants, et parfois à cause de certaines personnes malhonnêtes, mal intentionnées. Mais nous devons garder l'espoir. Vous savez, quand vous entrez dans ce chef-d'œuvre, ce monument, il n'est pas encore fini, mais je le vois déjà fini, parce que le projet est porté par des gens animés par une foi, une sincérité et une dévotion sans... Si, j'ai failli me tromper, des projets comme ça, il y en a beaucoup en France, alhamdoulilah, et des musulmans comme vous, il y en a beaucoup en France. Mais je me dis qu'alhamdoulilah, on avance bien. Mais attention à certaines erreurs fatales qui peuvent nous coûter cher. Vous entendez ? Attention à certains discours suicidaires. Attention à certaines idées obscurantistes. Au nom de Dieu et de son prophète. Au nom du Coran et de la Sunna. Que Dieu bénisse et fasse miséricorde à l'imam Ibn al-Qayyim, radiallahu anhu, qui disait que cette religion est fondée sur quoi ? Sur des principes immuables, fondamentaux, des piliers, qui sont la miséricorde, la rahma, l'adl, la justice, qui sont al-hikma, la sagesse et le bon sens, et al-maslaha, l'intérêt général et communautaire. Et tout ce qui est contraire à ces principes est contraire à l'islam. Vous entendez ? Tout ce qui s'oppose à ces piliers philosophiques, spirituels, moraux, est contraire à l'islam, même si certains musulmans, lettrés ou non, le prétendent. Notre religion ne peut pas faire la promotion de la haine et de l'injustice, du rejet de l'autre. Le bât blesse parce que nous avons des mauvaises approches, des mauvaises interprétations et des mauvaises pratiques de notre religion, à cause de notre ignorance, mais aussi à cause d'influences extérieures et étrangères qui parlent sans connaître notre réalité, mais aussi à cause, tout simplement, de... Excusez-moi si je suis un peu direct, mais c'est la réalité. Notre objectif, c'est de faire avancer les choses. À cause de certaines postures psychologiques, de certains musulmans et de certaines musulmanes qui ont des comptes à rendre avec notre société, à cause de leur échec social, leur échec intellectuel, familial. Et ils se réfugient dans l'islam. Et essayer de trouver dans notre religion, en tordant, en forçant les textes, pour pouvoir assouvir cette haine qu'ils ont envers la société au nom de Dieu et de son prophète. Et Dieu et son prophète n'ont rien à voir avec ces déviances. Car ce sont des déviances. Vous entendez ? Wa ta'awanu 'ala al-birri wa al-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wa al-'udwan. Voilà notre credo. Nous allons nous entraider avec tous les êtres humains, avec ceux qui nous ont empêchés de faire le pèlerinage. Vous entendez ? Ceux qui nous privent de certains droits. Nous allons nous asseoir et dialoguer, discuter avec eux pour minimiser les dégâts, pour essayer de les faire changer.
de posture intellectuelle, psychologique, politique, pour les ramener vers le bon sens. Et nous allons nous coaliser ensemble, on va travailler pour l'intérêt commun et général. Et si on pense comme ça et on agit de cette manière, alors vous pouvez être sûr et certain que la France de demain sera meilleure. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم بصرنا بعيوبنا وافتح علينا فتوح العارفين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وفي سوريا ومصر وفي كل مكان اللهم اعز الاسلام بنا واعزنا بالاسلام اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا واحفظ أولادنا من شياطين الإنس والجن اللهم اجعلنا من الذين يعملون بما يقولون ويخلصون عندما يعملون آمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Après-demain dimanche est un grand jour, sera un grand jour. Un jour où on aura la possibilité de nous exprimer quant au choix de choisir ceux qui dirigent notre pays, les élections municipales. Il y a des gens aujourd'hui qui meurent, qui sont en prison, qui souffrent parce qu'ils n'ont pas ce droit que nous avons, le droit de choisir nos responsables politiques qui vont décider de notre quotidien. Regardez nos frères en Syrie, en Égypte, au Yémen. Dans la plupart des pays musulmans, il n'y a pas de démocratie. Et si jamais il y a un vent de démocratie, réaction en chaîne de la part des puissances colonisatrices et des dictateurs. Pourquoi ? Pour réinstaurer la tyrannie, le despotisme. Et vos frères et vos sœurs musulmans meurent pour pouvoir être des hommes et des femmes libres. Et il n'y a pas de liberté si tu ne peux pas choisir en toute conscience. Et il y en a aujourd'hui qui crachent. Sur quoi ? Sur ce droit élémentaire et fondamental. Le droit d'être libre et de dire non quand on veut. Et de dire à celui qui est injuste, tu as tort quand il a tort. Et le jour où ma communauté, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'aura plus le courage de dire à ses responsables politiques « Vous avez tort quand ils ont tort », ce jour-là, ma communauté sera perdue. Le jour où les musulmans ne se préoccuperont pas de la gestion de leur quotidien, le jour où les musulmans ne diront plus à celui qui gouverne, que ce soit un maire ou que ce soit un président de région, ou président de la République, le jour où le musulman ne dira plus non à l'injustice, aux exactions, ce jour-là, la communauté, vous pouvez prier sur elle. Faqatu uddi'a minhum, dit notre prophète, alayhi salam. La preuve, regardez ce qui se passe dans les pays musulmans. Vous savez pourquoi est-ce qu'il y a autant de misère dans les pays musulmans ? Est-ce que c'est pourquoi les gens meurent de faim ? Dans les pays musulmans, est-ce que c'est pourquoi les gens meurent parce qu'ils ne peuvent pas se soigner dans les pays musulmans? Parce qu'il n'y a pas de liberté pour choisir les bons dirigeants. Et qui c'est qui dirige? Des incompétents, malhonnêtes, inféodés. La liste de leurs défauts est longue. Mais les premiers responsables sont les peuples qui acceptent la hogra, l'injustice. Et il y a des musulmans aujourd'hui qui crachent dans la soupe,
qui vous disent la démocratie c'est du kufr. Mais si la démocratie c'est du kufr, donc la théocratie, la dictature, c'est l'iman. Et le despotisme, c'est l'ihsan. C'est ça que vous nous proposez comme modèle? Vous savez ce que c'est que la démocratie? C'est le droit et la liberté que j'ai en tant que citoyen de dire à mon maire, tu as déconné pendant 5 ans. Et pendant 5 ans, je t'ai donné de mon argent que j'ai du mal à gagner. Car nos politiques sont payés avec nos impôts et sont bien payés. Alors, mon devoir, vous savez c'est quoi? C'est de m'exprimer dimanche. Et de dire à celui qui a tort, qui a mal travaillé, qu'il avait tort et de le licencier. Voire même, s'il a été malhonnête, de le traîner en justice. Wallah al-Azim, quel beau pays! J'ai la possibilité en tant que citoyen de traîner en justice, qui ça? Le maire de ma ville, le président de la République. Wallah, ça me fait rappeler Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, qui disait aux gens pendant la prière, maintenant, là au moment où je vous parle, le vendredi dans la khutbah, ohé musulmans, ohé musulmans, si moi Omar ibn al-Khattab aujourd'hui, je quitte le chemin droit, je m'égare, je deviens injuste, je ne pratique pas notre religion, je vous l'ai dit, qui est religion de justice, de partage. Vous faites quoi, chers musulmans? Vous baissez la tête? Vous acceptez des dirigeants injustes? Vous savez qu'est-ce qu'a dit un sahabi? Salman, si ma mémoire est bonne, il lui a dit à Omar, on te remettra dans le chemin droit. Et si pour te remettre dans le chemin droit, ça nécessite d'utiliser la force, on l'utilisera. Remettez dans le chemin droit vos dirigeants. Pas avec l'épée, on n'a plus besoin d'épée. Ça c'est dans les pays musulmans malheureusement, où ils sont contraints à utiliser l'épée parce qu'on ne leur donne pas le choix. Mais nous, nous avons la chance d'être des démocrates. Un bout de papier, un bulletin dans une urne. Et vous avez dit à celui qui a travaillé, qui a bien travaillé, je suis d'accord avec toi, reste à ton poste. Vous lui redonnez 5 ans. Et à celui qui a mal bossé, je suis contre toi. Et je ne te laisserai pas continuer tes exactions, tes injustices et tes égarements. C'est ça l'islam. Le droit, non, le devoir d'ordonner le bien et de condamner le mal. D'ordonner le bien, c'est-à-dire de soutenir et d'encourager ceux qui font le bien et la justice pour tout le monde. Condamner le munkar, le mal, c'est lui dire non, stop, tu t'arrêtes là. Alors citoyens musulmans, aux urnes, Allah ybarak fikoum, allez-y avec fierté, allez-y avec sourire, allez-y avec spiritualité. Vous entendez? Et n'écoutez pas les discours qui contredisent le bon sens, qui contredisent les évidences de notre religion, qui vous disent voter c'est haram, voter c'est du shirk, la démocratie c'est du shirk. Certaines de ces personnes qui tiennent ces discours, ouvrez bien vos oreilles, ont pour objectif de vous transformer en moutons de panurge, tout simplement, c'est-à-dire des citoyens qui sont dirigés sans même qu'on leur demande leur avis et sans qu'ils puissent s'exprimer. Votez, votez intelligemment. Vous avez tous une conscience. Mais soyez reconnaissants et généreux et honnêtes. Des Mut'im ibn Adi, on en a beaucoup en France. Vous entendez? Des Mut'im ibn Adi, il y en a beaucoup en France. Et s'ils étaient, si notre prophète alayhi salam était présent aujourd'hui, il les remercierait. Car celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Dieu. Et il les mettrait sur un piédestal. Pourquoi? Parce que nous sommes les alliés des hommes justes, quelles que soient leurs convictions. Ce que nous voulons, c'est vivre ensemble dans notre société, dans la paix, dans l'égalité, dans la fraternité. Et pour que cela puisse se réaliser, il faut que nous participions tous à l'amélioration de notre quotidien. Et notre manière de participer, c'est de se présenter ou de soutenir ceux qui se présentent et qui sont à nos yeux justes et bons.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين